Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, son plaisir pour l'émission Tchaka rentrer la caillou jodia ou bien aswea, ça dépend qui l'on prend le côté. N'ap salye tout le monde qui a écouté nous Paris, Épinay, sur Seine, tout le monde qui a écouté nous dans la ville Sevran, qui a écouté nous la Guyane, Bénin, parce que nous avons pile amis à Bénin, nous avons pile amis Congo, tout, qui a essayé d'apprendre créole là. Et nous dit tout le monde merci parce que yo branché. Jodi a la, c'est Tchaka qui rentre la caillou. Et nous pourrons dialoguer, nous pourrons parler avec un invité. Jean nous toujours fait dans l'émission ça. Invité nous pour jodi a, les palottes, c'est Clarence Aurilus. Monsieur lui-même qui c'est musicologue, monsieur a fait un master en recherche ethnomusicologie. Et sujet nous pourrons parler jodi a la, c'est musique, mobilisation et résistance sociale en Haïti. Et période là, il prend pour le faire travailler là, ou bien nous pourrons parler, c'est 2001 avec 2004. Donc, son plaisir pour nous gagner Clarence avec nous. On a dit Clarence, bonsoir, ça fait nous plaisir parce qu'on branché, parce qu'on est avec nous. Et bonsoir aussi, et ça fait un plaisir de rejoindre l'émission. Donc, moi, je salue tout auditeur, auditrice, avec internaute et émission de Chakalan. Donc, c'est un plaisir pour moi avec vous. Et nous parlons pas l'empire posé. Et sur question mobilisation, sur question musique, sur question manifestation. Donc, en gros, c'est ça. Oui, Clarence, c'est son plaisir pour nous tous parce que nous tapons tant de moments ça a longtemps. Et bon, malheureusement, pas qu'à présent avec nous dans le studio. Ah, bon, c'est pas grave. Heureusement, technologie a bon nous moyen pour nous rentrer, pour nous capabilité en contact pour nous parler. Mais Clarence, avant où tu as eu l'idée pour faire travailler ça, mais c'est qui ça te motive même pour faire travailler ça? Et mon cher Oso travaille ça ligue toute une histoire d'elle. Donc, pour rappel, et pendant l'étude, moi, j'ai fait l'École nationale des arts de 2013 à 2017. J'ai entamé une étude d'école normale supérieure dans l'histoire, mais malheureusement, je n'ai pas bouclé cette étude-là, vu que j'ai voyagé pour une raison d'étude. Et j'ai toujours nourri et sujet ça dans tête, moi. Vu que mon côté histoire là, quand même, et puis côté musicien, pourquoi pas faire un travail sur qui est capable de marier musique et mobilisation, ou bien musique et mouvements sociaux. Donc, vu que, de l'autre côté, nous avons toujours participé dans les mouvements sociaux en Haïti, que ce soit mouvement étudiant, mouvement ouvrier, nous avons toujours pris la rue. Et nous avons toujours attiré l'attention, c'est question musique dans la mobilisation. Yo. Et puis, du coup, ça va venir dans tête, moi, pour me dire que, il faut me travailler sur un Sujet sujet, pour toujours ça. Et puis, participer dans les dans mouvements chercher. sociaux en Haïti. Les mapgars, des périodes, n'est capable de bien travailler, moi, période qui correspond avec question musique surtout, avec le fait qu'il y a des artistes qui ont participé dans le mouvement, et puis je viens de tomber sous période de 2000 à 2004. Donc voilà, c'est comme ça sujet a venu prendre naissance, et c'est un sujet maintenant oui, depuis Haïti, et puis je viens de voyager, sujet est toujours là, et je me dis il faut me travailler sur lui, et c'est comme ça sujet a venu, et pour commencer à lancer, mais puis je décide de faire études master moins et ce sujet ça. Ok, et donc c'est tout en construction, c'est pas un travail comme ça. Et Non. nous, c'est sur les nous parler, nous parler de musique, nous parler de esthétique. Et donc, parce que dimension travail, ouais, bon, dimension côté limité art en rapport avec la société, ou bien la sociologie de l'art, ou bien rapport Effectivement. art, rapport artisanat et gain avec société. Donc, mais qui ça? Qui ça qui permet les mounio à manifester et obliger des musiques avec Mon eux? cher. Là, nous plus non et nos démarches psychologiques tout. Donc, mais qui ça qui passe? C'est vrai, nous avons pour nous rentrer dans un corpus ou choisi pour faire travail. Ouais, mais avant nous rentrer là-dedans, c'est pour qui ça AXA? C'est pour qui ça les mêmes manifester m'obliger des musiques qui accompagnent. Mon cher, je parlais pour nous avec une phrase d'un spécialiste dans le domaine là, monsieur Christophe Trani. Monsieur dit, aucune révolte, aucune mobilisation sociale n'importe.